À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains, pour découvrir l'inconnu. D'autres, pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité.
Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement. Ryder, Sarah, exploratrice. Équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année? On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Sarah Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelé Monde en or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Même si ça ne l'est pas, on sera prêt. Je l'espère. Vous savez quelque chose? Le pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence? Je ne sais pas, mais ça paraît sérieux. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Sarah. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Adéno quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre frère. C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Le module de stase. Accrochez-vous. Salle des machines, au rapport. Cramponnez-vous à quelque chose. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Ah, attention à la seringue. J'y suis presque. Tenez bon. Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. On a un problème par ici. C'est Scott Ryder. Sarah, mon frère va bien? Scott va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Vous n'avez pas l'air optimiste. Ne vous inquiétez pas. Ça veut simplement dire que son réveil pourrait être un peu plus long que prévu. Sam? Ma connexion à l'implant de Scott a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexi. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Ici le capitaine. Vous êtes prête? Il a percuté l'arche à tout griller. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance. Ryder pourra la détecter. Elle a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge.
Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Voilà, c'est réinitialisé. Veuillez patienter pendant que le conduit termine son cycle. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. C'était moins une. À peine dans Andromède, et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. Navigation, au rapport. On dérive! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec, vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or, la terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Mais l'argument de mon père tient la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oui, chef. On envoie le bout! Mon Dieu. C'est ça, notre monde en or. C'est l'Habitat 7, la nouvelle Terre, avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état elle est, mais ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'ils préparent deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein? Cette famille, j'ai l'impression qu'il a déteint sur moi. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs? On avance à l'aveugle, là. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Je suis née une minute avant lui. Je ne manque jamais de lui rappeler. Ne vous en faites pas, Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors, on n'a plus qu'à aller les vivre.
Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de votre père. C'est bon. Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de poing. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam ? Simple précaution. Veuillez... Accroche-toi, Scott. On dirait que papa est déjà prêt. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais. Bien, allons en navette. Docteur Carlyle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe ? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serai ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours ? Un petit pas pour... C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. J'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. Scott ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour lui. C'est vrai, la mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici sain et sauf. Bon les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe, pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Mais ça a arrêté net l'Hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. C'est le dé. Restez à distance. Notre vecteur est bon. Secours par ici. Anomalie gravitationnelle détectée. Je vais voir si je peux nous stabiliser. La barrière s'est contente. Mon estomac, on serait ravis. C'est bon, j'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Ryder, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus palpitant qu'à lire les brochures. Accélération enclenchée, planète 3 devant. Flotte dans les airs. Structure au sol à bas bord. Ils sont forts.
seulement développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus? Et s'ils sont pas amicaux? On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention hostile nucléaire. Accélération hausse. Sans blague. Défaillance du micro-compulseur. Fais-le marcher. Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam. Rider, à vous. Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend? Pas la peine, Rider. Sam et HS, la com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. Les autres s'en sont sortis? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route! Rider, vous en êtes tous votre formation à la survie? J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais...
Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, il faut qu'on avance ! Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7 ! Ça a l'air plus sûr là-dessous ! Votre arme fonctionne ? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. Ça a l'air d'avoir marché ! Là-bas ! On peut grimper. Je crois que je vois un chemin. On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire. C'est parti ! Je crois que je... Comment mon père vous a trouvé ? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah ? Je vous raconterai autour d'une bière à C4. C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Vous me faites un peu de place ? Merci. Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un hôtel. Je comprends rien à cet endroit. Nouveau monde, nouvelle façon de mourir. Oui, mais pas aujourd'hui. Ryder, c'est Fisher. Non, regardez. Pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient prêt si ça dégénère. C'est souvent le cas. Vous n'avez qu'un mot à dire, et je tire. On ne devait pas laisser passer ça. Vous m'avez sauvé. Ça aurait été con de survivre au crash pour ensuite se faire descendre par des aliens. On les laissera pas faire. Hors de question. Ah. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Rien de bon, vu toutes leurs armes. En fait, on n'est peut-être même pas capable de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie lactée. Ni même aucune règle, visiblement. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Où sont les autres ? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout ! Ah ! Ma jambe ! Elle est cassée ? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr ? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. La vache, regardez ces cadavres. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera, mais on devrait peut-être... Sans Sam, c'est pas évident.
Non, mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. Cet équipement vient d'une de nos navettes. Dernier. Fonction vitale à zéro. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer ? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur Terre armés jusqu'aux dents ? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. Des fusées éclairantes, là-bas. Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les coordonnées. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là-bas, attention ! C'est quoi ce truc ? Quoi ? C'est bon, on l'a eu. Je me demande ce que c'était. Comment il a fait pour se camoufler comme ça ? Épave droit devant. C'est l'autre moitié de notre navette. Et dans quel état ? J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sorti. Il faut encore qu'on arrive à quitter cette planète. Merde ! Ça bouge dans le périmètre. C'est une embuscade ! Qui est ? Ils ont l'avantage sur nous ! Attention, ils ont une de ces créatures. Ouvrez l'œil, ils peuvent se camoufler. C'est eux ou nous, ils l'ont cherché. Ils essaient de nous encercler. Surveillez vos arrières. Et nos avant, et nos côtés. Alors fais-moi le malin, hein, Arthur. Voilà. Terminé.
Vous vous débrouillez pas mal, Ryder. J'ai cogné du pirate butarien de mon temps. Je faisais partie d'une équipe qui a découvert des artefacts protéins. Eh ben, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. On pourrait fouiller un peu. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans le coin. Il y a une sorte de structure sur cette colline. Il y a un chemin qui descend à droite. Qu'est-ce que vous voulez? I will repent. Je ne comprends pas, je viens de la collecter. C'est gris, ils ont tapé. Au secours! Tenez-vous en gris! On est là! Restez à couvert! Leur bloquer le passage! Ils s'en sortiront pas! C'est bon! Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va? Ça va. Où sont les autres? Ils ont tué Kirkland. Mais Fisher est en vie, près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à Skyou. Personne à la maison. Ça ne ressemble pas franchement à une maison. Ouais, personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est alors? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière. Qui sait? Appelons ça une machine alien bizarre. Sam ne serait vraiment utile, là. Rien. Tiens donc, encore une machine alien bizarre. Non, c'est vrai? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous voulez l'allumer? Je le sens mal. Donc, cette machine alien bizarre est un générateur. Ouais, bien sûr, je m'en serais douté. Il servait peut-être à quelque chose. Un labo de recherche? Possible. Jusqu'à... Est-ce qu'une tornade s'invite? Bizarre. Vous entendez ça? On dirait... C'est la même langue que ces aliens. Je me demande ce qu'ils racontent. Attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc en rogne? Et voilà! Des robots tueurs en prime? Ça... Elle est grillée. On dirait une console ou un truc du genre. Pour cette porte, peut-être. Il y a un sacré niveau d'énergie derrière cette porte. Si elle est fermée, c'est peut-être pas pour rien. Ces types ont miné là où il ne fallait pas. Des théories exploratrices? Il y a une forme de technologie sur cette planète, ancienne, souterraine. Et ces aliens s'y intéressent. Des archéologues? C'est ça. Mais quel temps dégueulasse. Attention! Ils nous attendaient!
ces merdes. Sois un paratonnerre en état de marche. Un truc de jeu ou quoi? On dirait bien. Pas question que je crève comme ça. Crois bien qu'ils s'en foutent. Arriver d'autres. Quelqu'un m'entend? Cora, on vous reçoit. Vous êtes vivante? La navette est en réparation, mais on est encerclés. Et ils sont hostiles. On arrive. Coordonnées ajoutées. Cavalerie à la rescousse. Ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi, Harry. Tout le monde va bien? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivés juste à temps. Où est mon père? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plein. Ils ont essayé de vous parler, au moins? À peine un mot, puis ils se sont mis... attiré. Comment ça s'est passé avec vous? On n'a pas voulu papoter. Pas par là. Ils sont trop nombreux! Continuez de tirer! On va...
va y arriver. Merde, ils savent se battre, ces cons. Pas le moment de perdre son calme. Voilà, ça va mieux. Les autres ont survécu ? Fisher est blessé, mais ça va. Greer est avec lui. La navette est en miettes. Hé ! Elle est blessée ! À couvert ! À couvert ! Pas, ce n'est pas contagieux. Juste avant l'attaque, j'ai... j'ai réparé nos transmetteurs. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, tu es là ? Liaison avec l'ancible établie. Affirmative, Sarah. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation ? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Nos blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée, peut-être ? Si c'est l'orage qui pose problème, il n'y a plus qu'à l'arrêter. Comment ça, arrêter un orage ? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va... Bon sang, ils m'ont repéré ! Chef ? Chef ! On peut vous laisser avec elle ? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Sam, tu as la position du pionnier ? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. Il faut qu'on y arrive avant que l'orage éclate. On ne fait pas de détour. Qu'est-ce que mon père cherchait ? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées le placent dans la zone. Usez de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. Ça fait plaisir de te retrouver, Sam. Tu veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois ? Sam a raison, on n'a pas beaucoup de temps. Regardez, des paratonnerres! Ils attirent la foudre! Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Il y a des morts. Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, cela. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père...
Chef. Restez baissés. Cela. Des visiteurs, comme nous. Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué. C'est du beau travail d'éclaireuse. On est là pour ça. Pour explorer l'inconnu, comme tu le disais. Ravi de voir que tu t'en souviens. C'est facile de l'oublier. On est bien d'accord. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage ? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, ils perturbent le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Donc si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué, mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes. La route ne sera pas des plus agréables. Si Sarah en est, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous ? Oh, ça sera eux. Mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille. Il faut juste qu'on change un peu la donne. Charge le profil de combat. En avant ! Je vous suis ! Avancez jusqu'à la structure. Les voilà ! Voilà. Maintenant, on a leur attention. Attention à la foudre ! Rentrez dans ce bâtiment ! Il ne faut pas qu'on s'enlise ici. Mode interface d'amplibiotique. Je suis là. Ne lâchez rien. Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus. Tenez le rythme.
sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Fred, entrons là-dedans. Au profil technicien. Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Tenez bon des deux côtés. Il faut pas qu'il passe. C'est quoi cet endroit d'abord? Aucune idée, mais ils ont l'air d'y tenir. Alors? Décryptage à 50%. La syntaxe est étrangement complexe. Je vois ça. Essaie une recherche récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Vas-y. Je crois qu'il est vraiment énervé, celui-là. Peut-être parce que je vais tirer en pleine tronche. Ça avance. Décryptage à 75%. On y est presque. Restez en alerte. Décryptage terminé. Ça a marché.
C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde! Elle est bloquée! Je dois y jeter un œil. Sarah! Partie du langage. Voyons si je peux avoir une conversation. Jusqu'ici, rien ne nous a écoutés sur cette planète. Alors, fais attention! On se fait du souci pour son vieux père. Je n'en parlerai à personne. Allez, viens. C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Indexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. L'arche attendent. L'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... Rider est en surcharge, je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant! Ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cliniquement morte pendant 22 secondes.
comment je m'en suis sortie. Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc Sam, Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam. Je l'ai pas entendu. Bonjour. Regardez là. Et là. Mon père. Où? C'était lui ou vous. Il a fait son choix. Je suis désolée, Sarah. Je sais que ça doit être un choc. Je peux pas croire qu'il soit plus là. Tout se passait bien et l'instant d'après, il... Je sais qu'il pouvait être distant, mais il m'avait dit que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam? Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora? En théorie. En réalité, vous êtes la nouvelle pionnière, Sarah. C'est une plaisanterie? Ouais, le problème. Je pense que vous en êtes capable. C'est quand même contraire au protocole. Cora, ça ne vous pose pas de problème? Je ne m'opposerai pas à la décision de votre père. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours? Justement. La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Elle a besoin de se reposer. Elle a 2 heures. On aura besoin de notre pionnière. Au fait, j'ai vu votre frère. Il n'y a pas vraiment de changement. Mais il a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Qu'est-ce qui se passe, Sam? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Il n'a jamais mentionné ce canal. Ça m'a permis de mieux le connaître. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Thank you.
Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus, ici l'Arche Hyperion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment ? L'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés, et notre pionnier est mort. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnière. Ça va aller, Ryder ? Le capitaine vient de m'appeler pionnière. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence ? Votre attention, les réacteurs principaux restent actifs. Faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment ? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Bonjour. On est de l'Arche Hyperion, et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu ? Une arche, vous dites ? Oui, on vient d'arriver. Mais on vous croyait tous morts ! Quoi ? Ou prisonniers ? Ou perdus dans l'abîme ? Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Terran Tandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Sarah Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'elle ait eu brouillé les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Mais vous ne nous attendiez pas ? Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqué ? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin.
Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire, qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles ? On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir au rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche ? Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qu'il vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'une pionnière. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Mon père savait ce que c'était d'être pionnier. Il ne m'aurait pas choisi s'il ne m'estimait pas à la hauteur. Votre père ne sera pas là pour réparer vos erreurs. Eh bien, quelle hospitalité. Nakmorkesh, gardienne de la station, j'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel, mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnière semble prête à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serais ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le cœur de l'Hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a une heure, tout ça c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez une vote. Et quand les réserves seront à sec ? Vous devriez aller voir Monsieur Tan, pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage. Voilà l'Habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Je croyais que je n'étais pas à la hauteur de mon titre. La directrice Addison a son avis. J'ai le mien. Et si vous n'êtes pas d'accord ? C'est moi qui dirige l'initiative. Et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves.
Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord, mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Une bonne pionnière se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc, si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Montrez-moi le chemin vers mon vaisseau et je vous laisse tranquille. Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ah ! Ça ne va pas ? Ryder, venez me voir au bloc Sam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, si. Ça va. Ça a l'air d'aller. Hello, la jeune dame qui est déconseillée. C'est pas vrai? Je crois que t'as oublié de valider les formulaires après les avoir rendus. Bonjour Sarah, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe ? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle ? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. SAM, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc ? Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat, un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non ? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. C'est... assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il n'avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste ? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible.
Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnière. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Prête à découvrir notre vaisseau? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnière en route. Où en est le vaisseau? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livrés à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. On l'appelle le Tempête. Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetra, Vetranix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêt? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Ouais, allons voir le reste d'Eleus. Attendez une minute, vous n'irez nulle part. Et merde! Il y a un problème? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tana contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas? Votre fils est encore en stase? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué? Ça fait partie du boulot, pionnière. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveau. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter.
Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteurs, combinaison et l'équipage, bien sûr, de fins experts. Ravi de vous voir en forme, Sarah. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur. Quand vous serez prête à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir. On appelle cette pièce la salle de recherche. Cette console permet de consulter les missions de compassion en cours dans la milice pionnière. Veuillez vous adresser à Terran Kondros pour participer aux missions. Veuillez vous adresser à Terran Kondros pour participer aux missions. Contrôle du Nexus, trajectoire de départ verrouillée. Ah, c'est l'heure des présentations. Ah, vous devez être Ryder. Kalojat, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. C'est tout nouveau pour moi, le rôle de pionnière, commander un vaisseau. Vous vous en sortirez, et je peux vous aider pour le Tempête. Je connais ce vaisseau depuis sa conception. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Alors, comment... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici, et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prête... Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc de cette ampleur? On s'est engagé là-dedans quand on a décidé de venir dans Andromède. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. Le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi me fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Gil indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder. Le Tempête est à vous. À moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. On espérait tous un monde en or. Maintenant, la route est longue. Mais si on s'accroche à nos rêves, on pourra traverser tout ça. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Vecteur de départ validé, Tempête. Bon voyage, pionnière. Direction Eos alors. Ce qui aurait dû être notre habitat 1. Après l'échec de deux implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut peut-être y faire quelque chose. Kalo, en route. Thank you.
Delta 1 de l'initiative Andromède, planète Eos. La première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche. Deux fois! Pourquoi Sam a modifié la détection de fréquence? Qu'est-ce qu'on entend, Sam? Je reçois un signal, pionnière. Je recommande d'examiner immédiatement Eos.